On a mis plus ou moins 3 ans. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné les personnages? Oui, c'est moi qui ai dessiné les personnages. Est-ce que quand vous êtes allé en Mongolie, vous avez ressenti cette différence? J'ai vraiment rencontré ces deux types d'enfants. Les écoles ont pu découvrir, lire, étudier l'album jeunesse de Caramel du Jurassique, écrit par Roxane Livret. Tout cela sur la plateforme CultureTech. Par la suite, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer l'auteur et de lui poser toutes leurs questions, soit à l'oral, soit sur le chat. Je vous encourage vivement à rejoindre l'opération Pépite Internationale et à participer à la prochaine session avec vos écoles. En tant qu'auteur, c'est quand même un travail assez solitaire. Et puis là, de pouvoir partager directement avec son lectorat, c'est quand même une chance inouïe. On se retrouve tous autour de la langue française et ça n'a pas de prix. C'était vraiment quelque chose de très enrichissant et très touchant de pouvoir avoir le ressenti et le retour des enfants aux quatre coins du monde. C'est vraiment un moment inoubliable. Ce qui m'a le plus touchée, c'est le message d'une jeune élève qui, après la visite à l'Institut, nous a remercié chaleureusement en nous disant que tout ce qu'elle voulait, c'était revenir à l'Institut parce que c'était trop bien. Et donc ces questions ont été posées aux auteurs de la bande dessinée durant la rencontre qui a eu lieu donc à l'Institut français de Santiago. Vraiment, ça a été une rencontre très enrichissante pour tout le monde.